Là, vous avez une invention absolument extraordinaire, c'est la police des mœurs, vous voyez ces messieurs barbus, et qui vont en fait courir après cette jeune fille, qui est Marjane Satrapi lorsqu'elle est étudiante, parce qu'elle a raté son bus, et quand elle court, elle bouge un peu ses fesses, et du coup, ça les rend tout chose, et donc ils l'arrêtent, et ils lui disent, écoutez, madame, c'est absolument indécent de courir ainsi. Elle lui dit, enfin, vous avez à ne pas regarder mes fesses. Elle ne le dit pas aussi poliment. Hein. Eh bien, vous n'avez qu'à pas regarder mon cul, elle dit. Alors, mais c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que justement, précisément, son voile, sa tenue, etc., sont censés masquer son corps, je vous le rappelle. Hein. Et là, en l'occurrence, on voit bien la perversion, c'est que, comme le montre d'ailleurs Shala Shafik, la perversion, c'est que, au contraire, cette tenue imposée, absolument invivable, bah, pointe, est quasiment obscène. Elle pointe les corps. Elle rend délirant le souci du corps, que ce soit celui des hommes ou celui des garçons.